Julie. Merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir d'être ici avec vous. Je suis Jim Robinson, je suis co-coordinateur des responsabilités HLP, donc logement, territoire et propriété. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion d'écouter des collègues qui travaillent sur le terrain dans des contextes vraiment très intéressants et aussi difficiles. C'est un bon moment d'approfondir. Comme Julie l'a dit, nous disposons de la fonction questions-réponses sur Zoom, oui, et nous avons aussi l'occasion de partager des questions. Et donc, je souhaite dire tout de suite qu'il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Quand vous écoutez la session, posez-vous la question, qu'est-ce que cela veut dire pour mon travail et où est-ce que vous avez besoin de plus, sur quel sujet avez-vous besoin de plus d'informations et pourquoi c'est important? N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos réflexions, vos questions dans la fonction questions-réponses. Cette session est gérée par la zone de responsabilité HLP, qui fait partie du cluster mondial de la protection, qui est géré par UN Habitat et le NRC. Nous avons souhaité comprendre qui est là, d'où vous venez, pourquoi vous êtes dans cette session, pourquoi est-ce que cette session vous intéresse. Et donc, nous avons quelques questions à vous poser. Nous avons quelques sondages qui apparaîtront sur vos écrans. Déjà, quels sont vos sentiments à propos de HLP, donc le logement, le territoire et la propriété? Moi, je répondrai avec la première réponse. Je suis fière d'être un geek HLP, mais bon, il y a d'autres réponses. Ensuite, qu'est-ce que le HLP? Qu'est-ce que cela veut dire? Très généralement, il faut aussi se poser la question. Ça nous donne une idée de qui vous êtes, de qui participe à cette réunion. Donc, vous avez des options, vous êtes HLP geek, vous rêvez de HLP tous les soirs, vous comprenez pourquoi c'est important, peut-être que vous avez entendu parler de HLP, mais vous n'êtes pas exactement sûr de pourquoi c'est important. Sinon, dernière option, qu'est-ce que le HLP? Si vous ne le savez pas encore. Je ne sais pas ce qu'il se passe, si vous pouvez voir les résultats, je ne sais pas si vous les voyez au fur et à mesure que les gens votent. Non, pas du tout. Je lance le sondage, donc Jim, lorsque vous êtes prêt, je ne sais pas si vous voulez leur donner encore quelques instants pour répondre à toutes les questions. Nous pouvons, donc oui, vous pouvez parcourir les questions. Il y en a trois. Et ensuite, nous vous montrerons tous les résultats. Très bien, donc vous avez cette première question, qu'est-ce que vous pensez de HLP? Ensuite, deuxièmement, nous nous intéressons à où vous travaillez géographiquement. Donc, ça, c'est la deuxième question. Et finalement, troisièmement, si vous travaillez dans le cadre du HLP, est-ce que vous... dans quel cadre travaillez-vous exactement? Est-ce que cela veut dire pour vous? Est-ce que cela a du sens? Nous verrons vos réponses. Nous attendons vos réponses, nous allons attendre encore 20-30 secondes pour vous permettre de répondre et ensuite nous partagerons les résultats. Il y a déjà quelques geeks entre nous, très intéressant. Très bien. Attendons encore quelques secondes. C'est vrai que je peux faire... Je peux faire un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Partageons les résultats. Comme nous le voyons à l'écran, certains rêvent du HLP et certains se déclarent des geeks HLP, d'autres comprennent pourquoi c'est important, encore d'autres ont entendu parler du HLP et certains n'ont jamais entendu parler du HLP. Donc, très heureux d'être ici avec vous. J'espère que vous allez en apprendre davantage. Après, géographiquement, vous êtes assez divisé. Principalement, vous vous trouvez sur le continent africain, mais nous avons des participants qui viennent des quatre coins du monde, y compris ceux qui ne travaillent pas du tout dans le cadre du HLP. Et encore une fois, il y a un mix de ceux qui travaillent dans certains cadres différents. Peut-être que vous comprenez ces termes, peut-être pas.
Parfois, vous travaillez dans un contexte statutaire, parfois dans un contexte douanier, parfois, vous travaillez sur des systèmes multiples et parfois, vous ne travaillez pas du tout sur des systèmes liés au HLP. Merci beaucoup. Ceci nous permet de comprendre à quel public nous nous adressons et j'espère que les questions qui en ressortiront seront très intéressantes. Maintenant, j'aimerais passer quelques minutes à vous parler du HLP. Qu'est-ce que le logement, le territoire et la propriété dans un contexte humanitaire? Qu'est-ce que cela veut dire? Très bien. Nous pouvons maintenant passer à la première diapositive avec notre ordre du jour. Très bien, voici les pays sur lesquels nous allons nous pencher. Aujourd'hui, nous avons des collègues de l'Afghanistan, du Sud-Soudan, de l'Ouganda et de l'Honduras. Et ces collègues nous parleront de leur travail et ensuite nous pourrons leur poser quelques questions. Comme l'a dit Julien, les intervenants peuvent répondre à ces questions dans la fonction questions-réponses aussi, donc ils peuvent le faire de deux façons différentes, pas nécessairement en live sur caméra. Pour vous parler du AOR, des zones de responsabilité, nous faisons un travail de coordination ici. Donc, il y a par exemple 32 crises dans le monde où le cluster de protection est actif. Nous avons une coordination de l'HLP dans 21 de ces pays. Nous soutenons le travail de l'HLP autre part aussi. Et nous essayons aussi de faire un travail de plaidoyer. Nous encourageons les autres à prendre en compte les questions du HLP et de fournir un service d'appui à cet égard. C'est pour ça que nous avons notre AOR, notre zone de responsabilité. Prochaine diapositive. Qu'est-ce que le HLP? Donc, il s'agit des réglementations, des accords qui permettent aux personnes de vivre sur leur territoire et de jouir de leur logement. Et donc, il s'agit d'avoir un foyer sans avoir peur d'être expulsé, quelque part où vous pouvez vous abriter en sûreté et vous pouvez sécuriser votre capacité à gagner votre vie. Nous avons accès à la nourriture, de l'eau. Donc, souvent, nous parlons des questions du HLP dans une réponse d'urgence où les personnes doivent avoir un abri, comment sécuriser un abri. Et c'est aussi une filière que nous voyons dans les réponses humanitaires, les solutions humanitaires, quand nous parlons des résultats du développement. Car il n'y a pas de solution durable sans penser au HLP. Il a ses origines dans la législation, dans le droit international humanitaire, mais il ne s'agit pas simplement des réglementations, non, il y a aussi des pratiques, des coutumes, des attitudes, des comportements. Tout est relié. Il ne s'agit pas simplement de la propriété d'ailleurs. Il s'agit de comment ces choses sont utilisées, peut-être les propriétaires, peut-être peut-être les locataires, des personnes qui vivent dans des contextes plus formels ou des squatteurs. So next slide, please. We have these two key HLP concepts which you'll hear. Nous avons ces deux concepts ici. Security of tenure, due diligence. La sécurité. You go on to the next slide, please. Une fonction, entre autres. Donc, qu'est-ce que la sécurité dans ce cadre, dans un régime foncier? Il s'agit de la relation qu'ont les individus avec un régime foncier. C'est tout un système. Qui gouverne, qui peut faire quoi, pour combien de temps et où? Il s'agit de la relation en soi. Et quand nous pensons à la sécurité de ce régime foncier, il s'agit de la sensation de sécurité qu'ont les autres dans le logement où ils sont, car les personnes ont le droit d'être protégées contre une expulsion forcée, un harcèlement et d'autres problèmes qui leur forcent à quitter leur territoire. Et nous devons aussi penser à ceux qui sont souvent marginalisés. Particulièrement, nous travaillons sur la sécurité des femmes dans le cadre des droits HLP.
Pensons aussi à d'autres groupes marginalisés dans ce contexte. Nous travaillons aussi dans ce que l'on appelle des contextes coutumiers. Parfois, on parle de pluralisme légal. Donc là, il s'agit de la coexistence de différents systèmes fonciers, des différents systèmes fonciers qui gouvernent comment les personnes ont accès au territoire. Peut-être qu'il y a de différents cadres juridiques et d'autres coutumes aussi. Parfois, il y a des divisions entre ce qui est statutaire et ce qui est coutumier dans l'organisation du territoire. Dans un contexte où il y a des conflits, parfois il y a des autorités différentes, des groupes différents qui disent avoir l'autorité sur certains territoires. Sinon, parfois, il y a des systèmes différents. Parfois, les territoires ne sont pas enregistrés. Parfois non. Donc, ceux qui ont accès au territoire est ancré dans les communautés et la coutume. Parfois, il y a des différents systèmes ou des sources d'autorité pour cette utilisation. C'est pour cela que lorsque nous pensons à la sécurité foncière, nous devons adapter nos approches pour prendre en compte les différents systèmes juridiques et nous devons poser les bonnes questions afin de comprendre les contextes et les nuances. Et aussi, nous avons parlé des vérifications préalables. Les vérifications préalables dans le cadre du HLP, il s'agit de poser des questions. Qui peut faire quoi? Qui a quel droit? Qui a accès à quoi? Et quels seront les impacts de son intervention lorsque nous prenons des mesures? Et en tant que zone de responsabilité, nous soutenons la coordination. La coordination joue un rôle essentiel ici. Nous notons qu'il faut penser aux relations, qui sont les parties prenantes, qu'est-ce qui doit être accompli pour bien répondre aux questions du logement, du territoire et de la propriété. Nous devons aussi penser au contexte humanitaire, nous devons penser à nos collègues qui travaillent sur la question des abris, nous devons penser à la sécurité alimentaire, nous ne pouvons pas oublier l'éducation, quelles enceintes sont utilisées. Et nous devons penser à l'impact et les capacités des personnes de rester sur leur territoire. Il y a beaucoup de questions que nous ne pouvons pas oublier. Prochaine diapositive. Encore une fois, il s'agit d'une représentation visuelle de certaines idées sur le pluralisme légal. Donc, il y a trois personnes au même endroit sur l'image. Une personne dit qu'ils ont acheté le territoire, voici le contrat. Eux ont utilisé le système statutaire pour posséder ce territoire. L'autre personne dit, cet arbre a été planté par mon grand-père. Il y a cette connexion générationnelle dans cet usage foncier. Et ils pensent qu'ils ont le droit de continuer à utiliser le territoire. Il y a quelqu'un d'autre qui ramène leurs animaux et dit que c'est la route que nous prenons toujours pour avoir accès à l'eau. Donc, il y a cette utilisation continue du territoire. Donc, vous avez trois revendications où il y a des conflits. Et là, il faut voir quelle autorité utiliser pour choisir qui a raison. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le HLP et les défis dans ces contextes. Et alors, nous allons écouter des collègues qui viennent de l'Afghanistan, du Sud-Soudan et de l'Honduras, entre autres. Maintenant, je vais passer la parole à notre premier intervenant, Ben Plower, qui est spécialiste sur l'HLP à UNN Habitat en Afghanistan et nous parlera de l'intégration de l'HLP et des programmes climatiques. Et comme je le dirai à tous les intervenants, nous devons bien rester dans les temps, donc je vous le dirai lorsque vous êtes à court de temps. Ben, je vous passe la parole. Nous nous félicitons d'entendre votre présentation. Oui, merci beaucoup, Jim. Parfait. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de HLP et des programmes climatiques dans les camps informels en Afghanistan. Un survol de la présentation. Manque de sécurité dans les droits du HLP cause des vulnérabilités car il y a moins d'investissements dans le logement résilient et l'infrastructure. Cette présentation parlera des programmes qui assurent des bons résultats à long terme. Afghanistan,
that conflict and climate displaced people are exposed to floods, drought and disease. I suggest nous parlerons des personnes déplacées liées au conflit et au climat. Donc, pour ceux qui vivent dans des zones qui sont exposées aux inondations, entre autres, quels sont les liens entre le HLP et la vulnérabilité climatique? Eh bien, l'insécurité s'agissant de ces droits cause une vulnérabilité climatique parce que les ménages sont contraints et il y a des problèmes d'investissement. Dans ces zones informelles et les interprètes. Prenons une pause pour nous excuser. Le son est très fragmenté, donc le message sera incomplet. Nous nous excusons pour cette inconvénience. Nous avons perdu le son de M. Flower. L'interprète reprend. Ces camps sont importants. Car ils ont des attributs physiques, se trouvent dans des zones où qui sont à risque, parfois le logement est inadéquat, parfois contient des personnes déplacées très vulnérables, et ils existent en dehors des systèmes de gouvernance formels, avec des régimes fonciers non sécurisés. Il y a des liens entre l'HLP et la vulnérabilité climatique. Et donc, il faut soutenir des interventions pour un régime foncier sécurisé et des droits HLP sécurisés. Et pour ce faire, nous créons des résultats de résilience. Encore une fois, les interprètes s'excusent. Le son est très fragmenté. Le message est incomplet. Nous continuons. Voici une diapositive sur la sécurisation des droits HLP pour des résultats de résilience s'agissant du climat. Une approche récente qui développe les interventions coutumières. Il y a un modèle fit for purpose qui renforce les systèmes fonciers et qui augmente la sécurité foncière. Nous avons aussi des faits de l'Asie-Pacifique où nous avons vu qu'il y a des investissements climatiques qui conséquemment augmentent des résultats de résilience climatique à long terme. Il y a aussi une certaine planification communautaire et la mise en œuvre d'investissements. Il y a du renforcement d'organisations dans les communautés. Ceci augmente la sécurité HLP. Ben, je m'excuse. Votre son est très fragmenté. Je me demande si vous pourriez, s'il vous plaît, peut-être éteindre votre fonction qui fait une image floue sur votre caméra. Nous avons vraiment du mal à vous entendre. Oui, je vais arrêter ma vidéo pour voir si ceci nous aide. Est-ce mieux? Peut-être, oui. Très bien, je continue en parlant de la deuxième approche qui se penche sur ces activités communautaires, y compris la planification communautaire et la mise en œuvre d'investissements dans l'infrastructure. Comme je l'ai déjà dit, ceci augmente la sécurité foncière car il y a plus de légitimité dans les droits HLP et ceci réduit la vulnérabilité climatique directement en opérant. Les interprètes sexuelles, encore une fois, nous avons perdu la fin de la phrase de M. Flower. Nous reprendrons dès que le son est plus stable. Les interprètes s'excusent encore une fois, le son est très fragmenté, très flou. Nous faisons une pause pour attendre que la qualité soit meilleure. Nous excusons de cette inconvénience. L'intervenant parle maintenant du renforcement des organisations ancrées dans les communautés pour prévenir certaines vulnérabilités. Donc, il y a une approche communautaire
en Afghanistan. J'en parlerai dans la prochaine diapositive. L'interprète reprend. L'intégration du HLP et de la programmation climatique en Afghanistan. En Afghanistan, l'Afghanistan est un bon cas pour évaluer les interventions climatiques. Le pays a la 6e place dans l'indice pour les risques climatiques avec une population très vulnérable exposée aux sécheresses, inondations, glissements de terrain et la chaleur extrême. Ces risques sont dans un contexte d'une des plus grandes urgences humanitaires mondialement. Et il y a plus de 1000 camps informels où les personnes sont très vulnérables, vulnérables au risque, avec des populations de PDI où ils n'ont pas des services de base ni de logement adéquats. Et il y a beaucoup d'expulsions fréquentes par les autorités. Il y a un projet pilote qui intègre le HLP, la résilience climatique. Il y a une étude, cette étude de cas, c'est dans la deuxième plus grande ville et la capitale de la région de l'Ouest où il y a beaucoup de sécheresse avec presque 2000 personnes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comment évaluer les besoins HLP et la vulnérabilité climatique? Déjà, nous avons mis en œuvre un sondage pour tous les foyers où nous avons cartographié les risques, entre autres. Nous avons noté que les habitants étaient exposés à des grands risques de sécheresse et d'inondation et de maladies près de la rivière qui s'assèche, qui devient sec pendant l'été. Donc, ce sont les plus grands risques, la sécheresse et les inondations, ce qui est associé aux épidémies à cause de la mauvaise qualité de l'eau. L'insécurité dans le cadre du HLP est très liée aux vulnérabilités. Les habitants n'ont pas les bons documents et cette insécurité limite les investissements dans le logement à cause des habitats de mauvaise qualité, à cause des dommages suite aux inondations et l'infrastructure wesh facilement contaminée pendant les inondations. Ceci cause des épidémies, des maladies, entre autres. Aussi, l'infrastructure qui combat le changement des questions climatiques est faible. Il n'y a pas un bon réseau pour l'eau. Il n'y a pas de bon système de drainage. Ceci cause des épidémies et même parfois des morts. C'est difficile aussi pour des foyers où les femmes sont chefs du foyer. Ce sont ces foyers qui sont les plus vulnérables souvent. La capacité de la communauté à répondre à ces défis est très limitée à cause de la précarité extrême de la situation. Mais le rôle des organisations dans la communauté a été noté, car eux fournissent de l'assistance aux plus vulnérables. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vous arrête un instant. Ben, il vous reste simplement quelques minutes. Oui, j'ai presque fini. La réponse HLP. UN Habitat a déployé une réponse intégrée pour s'adresser aux vulnérabilités identifiées dans l'évaluation pour renforcer la communauté et leurs droits HLP aussi pour planifier des investissements communautaires dans la résilience climatique. Nous avons aussi fait un travail de cartographie de l'usage foncier pour créer une idée des camps. Nous avons aussi cartographié des stratégies et des solutions développées pour s'adresser aux risques climatiques en collaboration avec les autorités. Nous avons aussi fait des investissements dans la résilience climatique. Nous avons identifié des investissements essentiels. Nous avons perdu le son de M. Flower encore une fois. Nous continuons dès que possible.
Nous nous excusons de cette inconvénience. Finalement, nous avons priorisé certaines actions d'investissement dans la résilience. Ces actions ont été mises en œuvre pour réduire le risque climatique et consolider les camps et renforcer leurs droits HLP. Nous avons aussi installé un système d'inondation et de drainage et un système de travail informel. Voici l'expérience de quelqu'un qui est un bénéficiaire du programme. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de bénéfices, surtout s'agissant du HLP, de l'HLP. Dernière diapositive. Ici, le projet a identifié beaucoup d'outils pour améliorer les résultats s'agissant du HLP en matière d'HLP et de résilience climatique. Après, je n'ai pas le temps de parcourir tout outil, mais si vous souhaitez les déployer dans vos programmes, n'hésitez pas à bien lire cette diapositive. Et nous publions aussi un toolkit, un kit d'outils. Merci beaucoup. Thanks, Ben. Thank you so much. Un grand merci, Ben. Merci beaucoup. Oui, nous allons rassembler toutes les présentations suite à cette session et qui seront disponibles. Cette session est aussi enregistrée et donc ce sera disponible sur le site web. Donc, vous allez pouvoir rattraper le retard et ne pas manquer d'informations. Et bien sûr, s'il y a des questions, si vous souhaitez entendre plus sur certains sujets, n'hésitez pas à nous le dire dans la fonction questions-réponses, dans la seule fonction. Nous avons déjà noté quelques questions à plusieurs sujets. Donc, un grand merci, Ben. Nous allons maintenant passer la parole au Sud-Soudan. C'est un plaisir pour moi de présenter Margaret Boisou, qui est chef d'assistance juridique et coordonnatrice d'assistance juridique. Elle coordine, fait un travail de coordination au Sud-Soudan sur la HLP. Merci et à vous, Margaret. Jim, we lost Maggie on. Alors, malheureusement, eh bien, on a perdu Maggie. D'accord. Merci, Julie, pour l'information. Alors, est-ce que Evelyne peut-être est avec nous? Alors, peut-être qu'on peut passer à l'exemple de l'Ouganda et on reviendra au Soudan du Sud par la suite. Evelyne? Oui, je suis là. On peut y aller. Alors, Evelyne Ajambo, qui est responsable du programme sur la gestion des droits de propriété, des droits fonciers. Alors, je vous laisse ici présenter cet exemple. Vous avez 15 minutes pour cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jim. Je suis Evelyne Ajambo avec mon collègue, ou ma collègue Jordana Wamboga. Nous sommes une association ici, basée en Ouganda, afin de promouvoir le droit des femmes et des enfants, afin de pouvoir promouvoir les droits fonciers, les droits à la propriété. Et je voudrais vous présenter ici un de nos projets en Ouganda. Alors, je me suis dit que j'allais commencer par quelques informations géographiques. L'Ouganda est situé en Afrique de l'Est, avec une population de 48 millions d'habitants et un taux de croissance de la population de près de 3% par an. Environ 73% de la population vit dans des zones rurales et 26% de la population vit dans des zones urbaines. L'Ouganda est le pays avec la population la plus jeune du monde, puisque 70% de la population a moins de 30 ans. L'économie se base très fortement sur l'agriculture, notamment pour moyens de subsistance, et représente 22,5% du PIB de l'Ouganda.
In addition to that, Uganda's land is majorly customary with over. Alors, les terres en Ouganda font partie de ces systèmes de propriété foncière qui ne sont pas documentés de manière officielle. Donc, il y a très peu d'accès, en fait, finalement, au droit à la terre, au droit de propriété. Il y a des inégalités systémiques très fortes, c'est-à-dire que l'accès des femmes est extrêmement limité et seuls 3% en fait, des terres et des titres de propriété enregistrés appartiennent à des femmes. Nous avons un nombre élevé d'évictions et les mécanismes en cas de conflit, ces mécanismes sont extrêmement lents. Je voulais également revenir sur ces différents systèmes de propriété terrienne, des terres et des propriétés foncières. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les titres de propriété ici sont associés à des systèmes qui sont des systèmes ici traditionnels, notamment de droits d'usage coutumier. C'est donc le régime foncier qui est le plus utilisé. Et cela remonte à la constitution de l'Ouganda de 1995. De même, en Ouganda, il y a en fait différentes cultures et chaque culture a ses propres normes et pratiques. Et par conséquent, également, les droits fonciers coutumiers peuvent aussi être différents en fonction des régions. Donc, malgré ici les cadres juridiques qui ont été actualisés, notamment avec une politique foncière nationale en 2013, il y a très peu de mise en œuvre sur le terrain. Par conséquent, nous avons mis en place un projet, notamment sur ces droits fonciers coutumiers. Et ici, je vais vous présenter un projet qui est toujours à l'heure actuelle en cours, qui est un projet assez important, qui est ici subventionné par une ONG des Pays-Bas. Et l'objectif de ce projet est donc de construire, ou plutôt de capitaliser les expériences passées, les leçons du passé de certains projets, afin de contribuer au développement d'une approche structurée et évolutive et améliorer ici les droits d'accès à la propriété et à la sécurité foncière pour les hommes, les femmes et les jeunes sur les terres coutumières, afin d'améliorer donc cette sécurité foncière pour les hommes, les femmes et les jeunes, d'être beaucoup plus inclusif, de promouvoir ici une utilisation durable des terres et améliorer la capacité et la sensibilisation de toutes les parties prenantes foncières. Notre projet ici est mis en place sur ces différents sites, ces quatre sites. Donc, au sud-ouest, mais également au niveau des plaines et à l'ouest du Nil. Nous avons donc essayé de voir ce qui pouvait donc fonctionner dans la phase de consolidation. Nous avons donc commencé en fait finalement avec deux régions et nous sommes dans cette phase de développement et nous allons ajouter justement deux régions supplémentaires afin de pouvoir justement eh bien, bénéficier déjà de l'expérience des deux premières régions pour développer cela aux autres régions. Alors, pour revenir à ces différents projets,
Nous avons aussi mis en place tout d'abord une cartographie systématique afin de pouvoir promouvoir l'entre manque des droits aux terres coutumières et donc de ces droits coutumiers fonciers dans les districts de Kabale et de Boutaleja. Donc vous voyez ici que plus de 13 000 parcelles ont ainsi été clarifiées. Donc encore une fois, donc ça veut dire qu'un document juridique officiel a donc été remis aux propriétaires de ces droits coutumiers. De même, nous avons aussi mis en place un mécanisme de résolution des conflits. C'est un outil très efficace afin de pouvoir gérer les conflits avant et après la cartographie, notamment, par exemple, les conflits en matière d'héritage, de délimitation des parcelles. Donc, nous avons utilisé justement cet outil de résolution des conflits et nous avons réussi à résoudre 92 conflits sur les 118 conflits qui ont été déclarés. Alors, les autres aspects du projet, notamment développer les compétences et la sensibilisation. Alors, pendant le projet, nous avons travaillé avec les différentes institutions qui sont chargées de délivrer donc ces certificats de droits coutumiers. Donc, nous avons travaillé avec ces différentes autorités. Nous sommes revenus ici sur les différents outils, les différentes approches. Et nous leur avons aussi donné la chance de pouvoir réellement revenir avec ce projet, notamment sur la collecte des données, la gestion ici durable des terres et aussi à ce processus de résolution des conflits. Alors, de manière inclusive, donc, le projet a aussi deux composantes. Je vais revenir ici sur cette première composante. Alors, on a utilisé ici un outil qui est utilisé pour le développement de cette cartographie. Alors, on désigne les zones protégées, les zones forestières, et ensuite, on voit quels sont les droits coutumiers. Alors, vous savez, les populations locales n'ont pas toujours ici de connaissances par rapport à ces droits. Donc, il faut leur expliquer finalement les choses. Donc, vous voyez, on utilise ces cartes. Donc, parfois, il faut expliquer aussi qu'il y a des zones qui sont des zones publiques, qui peuvent être utilisées, mais qui ne peuvent pas être, dont les droits ne peuvent pas être détenus par un particulier. C'est important aussi d'engager la communauté dès le début. Exemple. Nous avons vu que ce sont aussi des plans qui doivent être mis sur le long terme. Donc, on a aidé la communauté ici à mettre cela en place sur le long terme. Alors, ce sont des plans parfois jusqu'à 5 à 10 ans. Je vous donne un exemple ici dans le district de Kituba. Eh bien, vous voyez qu'un plan de développement a aussi été créé. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont impliqués dès le processus et ils peuvent ainsi avoir une validation de ce plan de développement.
développé par la communauté, validé par le gouvernement, et cela permet ainsi de mettre en place un atelier de développement des compétences et voir comment est-ce que ici, eh bien, que leur terre ou leur communauté va pouvoir donc évoluer et se développer. Je passe la parole à ma collègue Jordana. Okay. So I want to take you through the second presentation. Merci beaucoup. Donc je continue la présentation de ma collègue. Alors, je voudrais revenir donc sur une initiative que nous avons également développée dans le district de Boutaleja. Boutaleja, en fait, c'est un district où vous retrouvez des zones protégées et des zones de droit coutumier. Alors, c'est une région qui est située à l'est de l'Ouganda. Alors, nous avons, par exemple, travaillé notamment avec la documentation des droits fonciers à travers les différents accords fonciers. Nous avons travaillé également avec les communautés afin de pouvoir s'assurer qu'ils aient accès aux ressources dont ils ont besoin également pour survivre, notamment tout ce qui est agriculture, pisciculture, accès à l'eau. C'est important de maintenir cela, parce que les communautés doivent pouvoir conserver ici leurs moyens de subsistance, y compris les zones de pâturage pour les bêtes. Mostly we do not own land. Can you hear me? On my screen, I feel like everybody has frozen. It's cutting in and can out. Can I continue, Jim? Alors, malheureusement, la connexion n'est pas très bonne. On vous laisse continuer quand même pour terminer votre présentation, Jordana. Alors, de même, les femmes détiennent des droits secondaires parce que les droits fonciers sont réservés aux hommes. Donc, les femmes peuvent utiliser les terres, avoir accès à ces terres de manière donc secondaire, mais on réalise que ce sont les femmes ici qui réalisent le plus gros du travail. Next slide, please. And Jordana, just another 2 minutes. Alors ici, Jordana, je vous laisse encore 2 minutes et ensuite il faudra conclure, s'il vous plaît. Sorry, I didn't get that. Just another 2 minutes and then we'll need to move to the next speaker. So... Oui, je vous laisse juste 2 minutes, s'il vous plaît, et ensuite on va devoir passer à la présentation suivante, yes, s'il vous plaît. But the person controlling the presentation is not moving the slide. Okay. Anyway, this initiative is regulated by a legal framework. C'est une initiative qui se passe et qui s'appuie évidemment sur un cadre juridique. Alors, de même, par rapport à ces cadres juridiques, nous avons travaillé aussi avec le ministère de l'Environnement, parce qu'évidemment, il fallait certains permis d'accès, ou en tout cas d'utilisation des terres protégées dans le cadre de la subsistance. Alors, c'est important également aussi de parler des difficultés. On a vu aussi certaines pertes de biodiversité pour cause de dégradation environnementale, également
d'inondations. Et c'est également que finalement, créateur de conflits, c'est pour cela que justement nous avons travaillé avec le ministère de l'Environnement et la communauté afin de développer donc un plan de développement ici, du plan de développement de ces zones protégées afin qu'on puisse et en même temps les protéger et en même temps les utiliser pour les besoins de la communauté. L'objectif, évidemment, et les avantages de cette approche basée sur la communauté, c'est d'améliorer les connaissances locales de ces écosystèmes, promouvoir aussi un sentiment d'appartenance au sein de la communauté, et de même, promouvoir l'engagement de la communauté, la participation et un meilleur taux d'enregistrement des droits fonciers. Cela permet aussi de renforcer ici les institutions de même ça permet de renforcer les institutions locales, les organisations. Donc ça a été vraiment un processus extrêmement positif, une bonne intervention puisque là encore une fois les communautés se sont vraiment senties impliquées dans le cadre des processus de prise de décision. Alors, quels sont les résultats ici, ces impacts? Alors, les résultats et les impacts, on voit l'utilisation ici des ressources. Nous avons également vu la diminution du nombre de conflits, une revitalisation et préservation culturelle. Alors, souvent, on réalise que pour certains de ces leaders, they tend to misguide the communities, but also there has been unpredictable weather conditions. Il y a aussi parfois des défis, comme par exemple les systèmes patriarcaux, culturels, mais aussi eh bien, le changement climatique et l'impact. And the district natural resource departments are an effective approach in ensuring that we realize some of these benefits. Alors ici, l'approche nous a permis de tirer des leçons par rapport à ces initiatives futures, notamment l'implication ici de ce leadership politique local qui est essentiel. Alors ça, c'est important d'avoir finalement ici le soutien des autorités politiques, notamment au niveau local. Nous avons aussi compris qu'il fallait continuer avec les campagnes de sensibilisation afin de pouvoir faire évoluer les mentalités et comprendre ici. Que les choses doivent évoluer et parfois ça prend du temps de faire évoluer les mentalités. De même, dans le cadre de ces échanges d'apprentissage, nous avons réellement vu que c'est une approche très positive et que des leçons peuvent être tirées. Alors, de même, côté recommandation cette fois-ci, il faut que le gouvernement puisse vraiment intégrer ce type d'initiative pour conserver cette dynamique positive. Mais aussi le développement ici de cette capacité, il y a des leaders. Adapter aussi une gestion holistique et puis de même continuer cette sensibilisation en matière des zones protégées, renforcer les capacités des leaders locaux surtout sur la question du genre et également partager les expériences, avoir un réseau d'apprentissage.
Okay. Thanks, Jordana. Merci beaucoup. Merci, Jordana. Merci, Evelyne. Merci. Alors, la technologie, ce n'est pas toujours facile, donc merci. Merci à toutes les deux. Avec ces deux présentations, Afghanistan et l'Ouganda, vous voyez très bien le lien entre les défis auxquels nous devons faire face, mais également que, eh bien, le lien avec les efforts à plus long terme des pouvoir développer des solutions que, et ici sécuriser un accès que, à la propriété foncière. Je vais passer à l'exemple du Honduras et je vais donc présenter ici eh bien, Johannes, qui va s'exprimer en espagnol. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Ici, vous avez la possibilité de trouver donc la langue de votre choix, je le rappelle, l'espagnol, l'anglais ou le français. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous allons faire cette présentation en espagnol avec l'exemple du Honduras. It's already it's ready for the other colleagues. Je vais donc pouvoir. I think so. Are the interpreters ready? I believe they are. Okay, great. Excellent. So we can start. Thanks. Carry on, Johanna. Okay. Thank you. Bueno, buenos días. Vamos a contarles brevemente. Bonjour, bonjour à tous. Alors ici, je voudrais revenir sur le contexte qui sont déplaçants, qui sont importants finalement pour comprendre ici quels sont les rôles joués par la violence et les déplacements forcés au Honduras. Alors, ici, dans le cadre de la prévention de conflits, ici, au Honduras. Alors, de même, alors, dans notre contexte, notamment de cette violence, es un contexto básicamente provocado por. Alors, ici, nous savons qu'au Honduras, le crime organisé, malheureusement, est présent. On retrouve également un fort taux de féminicide, des taux de déplacement liés à ces conflits dans des zones urbaines, mais aussi rurales. Par conséquent, le Honduras eh bien, et le pays est classé numéro 8 au classement des pays avec le plus de demandeurs d'asile. Nous avons que dans le pays de nombreuses personnes qui se retrouvent ici déplacées de manière forcée. Et c'est donc dans ce contexte de violence généralisée qu'en 2022 et 2023, notamment des défenseurs et des activistes environnementaux ont également été assassinés. Et cette année, la Banque mondiale, en 2023, donc, a déclaré ici qu'il y a également une augmentation des conflits fonciers qui ont entraîné ici une réelle insécurité en matière de droit à la propriété. Seuls 32% de la population ici et de la population peut conserver ses terres en cas de déplacement. Alors, si l'on revient ici sur les causes de déplacement forcé, alors je l'ai déjà dit, on parle d'extorsion, on parle ici de violation, de violences sexuelles et sexuées. On parle également de violences politiques.
et la commission interaméricaine des droits de l'homme a en effet également indiqué que dans le cadre de ces violences, on retrouve l'usurpation des droits de propriété. Alors, encore une fois, une des causes de ces déplacements forcés est, encore une fois, l'usurpation des droits de propriété, des terres de chacun. Alors, ces gangs, cette criminalité organisée, eh bien, vient exclure, expulser les personnes de leur propriété, de leur maison, de leur terre, et ensuite ces terres sont utilisées pour le trafic de drogue, notamment dans les zones rurales. Et on comprend donc que ça perd, cette perte ici de ces propriétés foncières s'accompagne de menaces, de violences, de représailles pour la population. On se retrouve donc dans une situation où eh bien, on voit que les jeunes, les femmes eh bien, se retrouvent réellement en première ligne de ces conflits. Nous voulons partager avec vous le contexte institutionnel, car il y a beaucoup de systèmes d'enregistrement différents dans le pays. Nous avons les municipalités, les institutions de la municipalité, les institutions nationales. Quelle est la situation? Eh bien, moins de 29,3% du registre est actuellement installé. Moins de 27% sont enregistrés. C'est essentiel parce que ceci augmente la vulnérabilité des personnes dans des contextes violents. Ce sont des personnes qui sont à risque de déplacement. Et tout ceci crée une multiplicité de types de pauvreté et de propriétés sur un seul territoire. Voilà. Particulièrement, qu'est-ce que ceci veut dire concrètement pour des communautés déplacées? Le régime foncier n'est pas clair. Il y a des bandes. Il y a des problèmes de propriété, il y a un manque de mécanismes clairs. Il y a la violation d'informations sensibles et nous devons avoir une certaine pédagogie pour les droits dans le cadre d'un régime foncier. De comprendre le contexte du crime organisé, les limites et les contraintes du gouvernement pour l'organisation foncière. Et donc, nous aimerions parler de la stratégie que nous avons mise en œuvre pour fournir des réponses à la protection des foyers dans ce cadre. Donc, pour travailler avec les personnes qui sont à risque de déplacement. Voici la stratégie. Voici ce que nous faisons pour développer une stratégie. Nous notons 5 éléments, tous développés en parallèle. Tout d'abord, la collecte de preuves ou de faits. Et pour ce faire, nous avons développé un mécanisme de coopération avec d'autres entités. Nous avons aussi fait un rapport sur le logement, sur la situation foncière à Honduras et aussi des points pertinents dans le cadre de réglementation. Nous avons aussi compris des éléments institutionnels.
Nous avons aussi mis en place un rapport sur la déposition, qui parle du lien entre la déposition et le déplacement. Nous avons aussi parlé du déplacement forcé et nous identifions les risques. Cette année, nous avons incorporé le variable de la déplacement pour mesurer les coûts de du déplacement. Nous avons aussi parlé de la sécurité foncière. C'est un sondage qui est exercé chaque année par l'Institution nationale des statistiques avec le soutien de la Banque mondiale. Et donc, nous avons une idée claire des personnes déplacées. Ceci nous permet de générer des données et de promouvoir des politiques publiques pour répondre à ces questions. Ensuite, deuxièmement, il y a un travail de renforcement institutionnel. Les institutions étatiques ainsi que d'autres organisations de contrôle. Nous avons primordialement travaillé avec des institutions foncières qui sont responsables pour la réglementation des propriétés de l'enregistrement national en utilisant des outils technologiques comme des drones, par exemple. Ceci permet de comprendre la topographie. Et ceci permet l'identification des actifs sur le territoire. Ceci nous permet aussi d'avoir des références dans des zones à grand risque. Et ceci nous permet aussi d'opérer dans des zones où nous n'aurions pas accès autrement. Ceci nous permet d'avoir des images par satellite pour comprendre les territoires et pour évaluer le territoire de façon plus précise. Nous travaillons aussi avec le secrétaire des droits de l'homme. Joanna, je vous interromps. Il vous reste encore 2 minutes, s'il vous plaît. Très bien. Bien, il reste encore 2 minutes. Nous avons aussi identifié les leaderships communautaires, ceux qui sont en tête, les personnes déplacées. Et dans le cadre réglementaire, nous avons réussi à faire adopter une loi sur le déplacement pour but de protéger les territoires. Les bases sont déjà acquises et nous avons créé une institution qui peut évaluer des biens abandonnés dans des contextes de violence et de déplacement. Prochaine diapositive. Très bien, voici. Je vous parlerai maintenant de la stratégie. Une stratégie étatique, une stratégie communautaire. Nous travaillons avec des institutions nationales et internationales. Mais il y a un problème structurel au niveau de la protection des droits. Mais nous travaillons donc avec des organisations, des acteurs qui travaillent dans l'aide au développement. C'est nécessaire pour améliorer les solutions aux problèmes d'enregistrement. Ceci fait partie de notre politique de prévention de conflits ainsi que la stratégie pour des solutions durables. Prochaine diapositive. Je vous parlerai des actions à l'avenir. Récemment, il y a une loi adoptée qui comporte 2 éléments, la protection matérielle et la protection juridique. Il s'agit des actifs laissés dans les propriétés abandonnées, occupées par des tiers. Alors, comment est-ce que ceci affecte la vie quotidienne des autres? Il y a certaines actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de des réglementations. Et alors, qu'est-ce que cela comprend? La prohibition de transactions
S'agissant du bien abandonné, l'extension du paiement d'impôts, les institutions qui fournissent des services publics, il y a des actions, il y a aussi l'accès au conseil juridique gratuit. Mais il y a encore des actions qui doivent encore être développées. Mais c'est un travail qui est en cours. Nous disposons déjà d'outils légaux et administratifs. Et dans ces contextes, ces outils ont parfois été... Parfois, il y a des propriétés qui ont été abandonnées ou occupées dans un contexte de violence. Et maintenant, nous allons aussi partager un document écrit dans la boîte de discussion. Si vous souhaitez plus d'informations, nous sommes disponibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Johanna. Je vous remercie de votre présentation, mais merci d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Dans la boîte de discussion, vous verrez que nous avons partagé des ressources. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction questions-réponses. Maintenant, c'est un plaisir de présenter Margaret Boisou-Luca, qui fait un travail de coordination dans la NRC au Sud-Soudan. Elle travaille aussi dans le cadre du HLP au Sud-Soudan. Margaret, j'espère que vous êtes là. Je pense que vous êtes connectée. N'hésitez pas à vous. Oui, merci beaucoup. Merci, Jim, de m'avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je m'excuse. J'avais quelques problèmes techniques, mais je pense que maintenant, tout se passera bien. Comme Jim l'a dit, je fais un travail de coordination dans le HLP AOR, zone de responsabilité AOR, et ici, au Sud-Soudan, nous avons des coordinateurs qui font un travail d'implémentation au Sud-Soudan. Prochaine diapositive. À titre d'information, le Sud-Soudan est une zone de conflit à long terme et le conflit est toujours accompagné par des questions du HLP, s'agissant du HLP. Et donc, nous avons ce système double, nous avons la protection du HLP, nous avons un système juridique coutumier ainsi qu'un système statutaire. Généralement géré par des dirigeants traditionnels, des dirigeants de la communauté qui peuvent gouverner ou faire un travail de leadership dans le cadre du HLP. Nous avons aussi ce système statutaire régi par la loi, comme la constitution transitionnelle de la République. Nous avons aussi des acteurs du gouvernement local. Ce sont quelques lois qui gouvernent l'implémentation de la HLP au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, il y a une classification foncière. Nous avons des territoires publics, des territoires privés, ainsi que des territoires communautaires. Le territoire public est gouverné possédé par le gouvernement. Ensuite, les territoires privés sont possédés par des terres et aussi les terres communautaires sont utilisées par la communauté. Au Sud-Soudan, il y a des règles d'accès et d'utilisation, mais n'est pas écrit. Donc, ces régimes sont interprétés, sont administrés, mais n'ont pas de système formel. Donc, généralement, il y a des réglementations coutumières et l'accès varie d'une communauté à l'autre. Cependant, ces institutions et leurs mandats sont reconnus sous le gouvernement local. Et donc, vous verrez que le gouvernement local au Sud-Soudan ou la direction des communautés s'est reconnue et eux ont le mandat de prendre des décisions pour les questions communautaires, pour les territoires communautaires au Sud-Soudan. Les autorités traditionnelles distribuent la terre pour des objectifs résidentiels, agricoles, forestiers et le bétail.
Donc, il y a des autorités qui ont ce mandat. Ils doivent assurer que les communautés donnent la permission pour toute pratique ou utilisation de telles terres. Comme vous le verrez dans la présentation, vous verrez qu'il y a une certaine hiérarchie. Vous avez des chefs. Déjà, ce sont eux qui vont dans les villages. C'est au plus qu'un village. C'est eux qui prennent des décisions pour les payams, donc un peu plus petit qu'un village. Ensuite, vous avez les autorités pour les comtés. Eux aident avec les questions HLP. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et alors, il y a des institutions qui ont des rôles doubles au niveau du HLP. Il y a quelques minutes, j'ai parlé du système statutaire ainsi que le système coutumier. Pour les systèmes juridiques, tout en haut, nous avons le ministère foncier, le ministère du logement et du développement urbain, échelon national. Ensuite, nous passons au ministère du logement, du ministère foncier et des services publics qui travaillent dans les 10 États du Sud-Soudan. Ensuite, nous avons le comité foncier du Sud-Soudan qui fournit un travail de direction, de conseil aux institutions sur les réglementations foncières. Ensuite, nous avons les comités fonciers de l'État. Et ensuite, nous avons la fonction judiciaire. Et c'est ainsi que par rapport à ces institutions, nous pouvons donc agir. Par rapport aux droits coutumiers, nous avons aussi des autorités, avec notamment le conseil PAYAM ici, donc qui est un peu en dessous du district. Nous avons aussi des tribunaux pour ces droits coutumiers. Et vous avez les leaders traditionnels qui, en général, président ces tribunaux. Et ensuite, nous avons les chefs ici, traditionnels, au sein des villages, qui cherchent à résoudre donc, ces conflits en matière de droit à la propriété, de droit foncier. Ces deux systèmes sont reconnus dans le droit du Soudan du Sud et par conséquent, ici, ces questions peuvent être traitées par ces deux systèmes. Je pense que c'est important aussi de travailler, de parler de l'accès à ces droits à la propriété foncière en Soudan du Sud. Donc, le droit d'appartenance aux terres au sein de la communauté dépend ici de la naissance. Donc, il y a aussi son test d'héritage. Cela peut être aussi un don. Par exemple, la communauté peut décider de faire un don d'une parcelle de terre à une personne qui ne fait pas partie de la communauté si cette personne vient ici développer, par exemple, cette communauté. Il y a aussi des négociations qui sont parfois faites entre le gouvernement et les acteurs locaux, afin de pouvoir promouvoir l'intégration des populations déplacées en Soudan du Sud, afin que ces personnes puissent s'intégrer, s'adapter, et enfin d'autres, évidemment, transactions où la communauté a la possibilité ici de vendre, d'acheter ici un titre de propriété. Alors, ce système coutumier et les droits à la propriété en Soudan du Sud. Dans la plupart des cas, en général, on parle ici de droits oraux. Donc, en général, il n'y a pas de documentation écrite et c'est ici également ouvert à l'interprétation des anciens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque communauté peut avoir une façon différente de gérer ces questions associées aux droits fonciers. De même, eh bien, nous savons que les leaders de la communauté
peuvent également décider ici en fonction des affiliations à différents clans. Et donc, il y a des différences. Alors, la question du genre également est une vraie question en Soudan du Sud, puisque d'après les droits coutumiers, les femmes n'ont pas de droit à la propriété foncière. Cependant, ce n'est pas ce que dit la Constitution. Les femmes ont le droit d'avoir accès à la propriété. Donc, cela fait partie de ces différents aspects qui doivent également être discutés. Et ça devient souvent difficile pour les femmes d'avoir accès aux terres. Donc, même si, par exemple, ici, vous êtes une femme mariée, eh bien, parfois, la propriété est ici et de toute façon transférée au mari. Donc, ici, il est important de comprendre qu'il y a des différences et qu'il faut absolument qu'ici, réfléchir à ces différents éléments. Nous voyons également ici que les ressources parfois ne sont pas toujours disponibles. On n'a pas toujours l'accessibilité à un système de justice ici formel. Et parfois, c'est difficile, surtout en fait dans les cas de conflit, d'avoir réellement ici une résolution de conflit. Donc, l'accès à la justice est absolument essentiel et c'est ce que nous voudrions promouvoir dans le Soudan du Sud pour répondre à ces conflits. Nous cherchons également à promouvoir ici les droits de propriété locaux pour que les décisions soient mieux acceptées au sein de la communauté par les différents donc, acteurs. Et c'est ainsi que l'on peut réellement intégrer la communauté, engager la communauté sur ces questions qui sont importantes, des droits d'accès à la propriété foncière. Alors, un autre élément qui est important en termes d'accès ici aux terres, il faut absolument passer par différentes négociations avec les communautés, avec le gouvernement. Alors, dans certains domaines, eh bien, on voit que pour cet accès aux terres des communautés déplacées, eh bien, cela passe souvent par des négociations avec le gouvernement ou entre le gouvernement et les communautés. Mais parfois, eh bien, ici, on voit que lors de ces négociations avec les communautés, eh bien, c'est vraiment des questions qui sont difficiles. Et surtout dans le système de droit coutumier, même si vous êtes un réfugié et que vous partez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, la communauté sait que cette terre ici appartient à cette famille en particulier. Donc, ils essaient vraiment de protéger ici ces terres et ils attendent ce que le propriétaire ou ses enfants viennent ici occuper ces terres. De même, dans ces systèmes coutumiers, surtout dans les zones rurales, il est très difficile vraiment de mettre en place des expulsions des terres. Parce qu'en fait, certaines zones ici sont donc, comme je le disais, réservées à ce clan ou à cette famille. Donc, il y a une certaine protection finalement. Dans les zones urbaines, par contre, ici, avec ici les expulsions, l'expropriation, eh bien, cette fois-ci, on voit que cela reste possible, mais plutôt dans les zones urbaines.
Et nous voyons notamment qu'il y a donc des différences en fonction des cas de figure. Et là, encore une fois, la différence avec le droit coutumier, c'est vraiment que la communauté doit être impliquée. Alors, Margaret, excusez-moi, il ne vous reste que quelques minutes si vous souhaitez peut-être conclure, s'il vous plaît. Très bien, merci, Jim. Donc, les implications de ce système juridique double au Soudan du Sud, alors les communautés hautes ici sont en général moins favorables à l'intégration locale des populations déplacées et voudraient plutôt que ces personnes retournent dans leur zone d'origine. La communauté haute est en général aussi plus stricte, ne souhaite pas distribuer ses terres. Donc, il y a évidemment des implications s'agissant de l'intégration de ces populations déplacées. Donc, il y a de nombreux conflits qui sont donc constatés. Par conséquent, si l'on regarde ces différents éléments, notamment par rapport à ces acteurs, alors, tout d'abord, eh bien, il faudrait d'abord cette développement des capacités. Il s'agit aussi de l'accès à la justice, notamment de pouvoir aider au quotidien dans ces différentes démarches qui sont nécessaires afin de pouvoir avoir accès au droit à la propriété. Il y a aussi tout ce travail qui doit être fait, notamment, nous avons donc une stratégie et en tant qu'acteur de ce secteur, nous voulons pouvoir justement améliorer cette question. Il faut aussi parler de cet accompagnement que finalement pratique au système judiciaire ici coutumier pour qu'il puisse ici effectuer et suivre ces mécanismes. Je suis désolée, encore une minute parce qu'ensuite il va falloir ici conclure, s'il vous plaît. D'accord, et bien dans ce cas-là, je vous propose peut-être de continuer. Alors, les implications peut-être du changement climatique, brièvement. Alors, il faut savoir que ces difficultés sont souvent exacerbées ici par les implications du changement climatique. Le Soudan du Sud est très souvent affecté par les inondations, par la sécheresse, et cela entraîne des déplacements de population. Et le changement climatique ici est venu exacerber ces éléments. De même, il y a aussi ces pertes de documents. Alors, là encore, aussi en cas de départ, en cas d'événements météorologiques extrêmes, cela peut aussi entraîner la perte de la documentation nécessaire. Donc, c'est pour cela que tous les projets qui sont ici créés en matière d'accès aux droits fonciers, aux droits de la propriété, il faut prendre en compte toutes ces mesures afin de pouvoir promouvoir ici les aspects, les droits spécifiques de ces populations également déplacées. C'est une photo justement d'un des villages en Soudan du Sud où, comme vous pouvez le voir, les inondations peuvent très clairement entraîner ici des déplacements de population. Cela crée des vulnérabilités, ça veut dire aussi l'augmentation du coût de la vie. Donc ici, ce n'est qu'une des illustrations de ce que le climat ici peut entraîner. Et voilà une autre illustration de ce que j'étais en train d'expliquer pour la situation au Soudan du Sud sur cette question climatique. Alors, les actions ici clés
Tout d'abord, le renforcement des capacités des communautés en matière de changement climatique et de protection de l'environnement, y compris des actions de prévention, notamment ici face aux inondations, dans le contexte des droits fonciers. Donc, c'est un vrai travail à réaliser, c'est important. Ensuite, une sensibilisation et des sessions d'information qui ont pour objectif d'encourager les communautés à se déplacer, par exemple, vers des terres plus élevées, vers des zones plus élevées lors de la saison des pluies, et ensuite intégrer, créer des synergies afin de travailler main dans la main avec les acteurs des différents clusters. Ici, d'autres secteurs, comme par exemple des abris d'urgence, pour faire ici couvrir ces éléments. Je suis désolée, Margaret, je vais devoir vous interrompre parce que, en fait, ici, il nous reste 2 minutes avant de conclure. Alors, par conséquent, je suis désolée. Merci beaucoup, vraiment, ici, pour toutes ces questions également et pour ces présentations. Alors, toutes les ressources vont être partagées par la suite. Donc, vous retrouvez des présentations très intéressantes. Ces présentations seront mises à votre disposition. Alors, en fait, j'ai une question, parce qu'il me semble ici 30 secondes pour conclure. S'assurer que les femmes ici sont bien intégrées. Alors, je ne sais pas ici si nos intervenants voulaient peut-être revenir là-dessus. Comment est-ce qu'ils travaillent sur les femmes et les enfants sur ces questions des droits d'accès à la propriété? Je ne sais pas si ici vous voulez peut-être brièvement répondre à cette question. Allez-y. Au Soudan du Sud, alors, nous avons travaillé sur ces droits des femmes d'accès à la priorité, notamment avec les différents acteurs de l'assistance technique, afin de garantir que les femmes soient conseillées, accompagnées, sensibilisées en matière de droits fonciers. De même, nous donnons comme la priorité aux femmes, notamment en matière d'assistance juridique. Et nous voulons ici garantir que les femmes aient accès ici aux informations en matière de droits, quels sont leurs droits, notamment ici avoir la possibilité de le droit finalement d'avoir accès aux terres qui ont été perdues et être aussi des ambassadrices de la communauté ici sur leurs droits. Merci beaucoup, Margaret. Ben, je ne sais pas si vous voulez également répondre à cette question et ensuite il va falloir conclure cette session. Très brièvement, en Afghanistan, eh bien, les défis sont nombreux, notamment par rapport ici à ces droits. C'est vrai que les femmes ici sont particulièrement vulnérables aux droits ici d'éviction. De plus, par le passé, lorsque l'on regarde les réformes ici à venir, ici s'assurer que le nom de l'homme et de la femme soit indiqué, notamment pas seulement le nom de l'homme sur le titre de propriété. Donc, ce sont des éléments ici qui sont importants et qui peuvent permettre de changer la donne. Et il y a évidemment des publications qui sont disponibles sur ces questions. Je vous remercie. Oui, merci. Ensuite, Evelyne, très brièvement, parce que ensuite nous devons clôturer car nous n'avons plus de temps. Et si
Johanna, vous souhaitez répondre, vous pouvez toujours écrire des réponses dans la boîte de discussion que vous pouvez partager avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, Evelyne, à vous très brièvement, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Particulièrement en Ouganda, nous avons soutenu des mesures et des stratégies foncières ici. Nous assurons que le gouvernement travaille à cette fin pour exercer les droits des femmes dans la gestion foncière. Ceci a été adopté par le gouvernement et les différents acteurs. Après, spécifiquement dans nos projets, nous avons des critères d'évaluation, un outil par le réseau foncier mondial pour voir comment faire participer plus de personnes et pour avoir une sensibilité au genre dans leur travail. Après, par exemple, au début, nous avons fait des démarches, mais lorsqu'il y avait des certificats d'appropriation, on a fait un certain travail en comprenant des femmes et des enfants. Les chiffres vous surprendraient. Par exemple, nous avons 80% de propriétés communes. L'interprète s'excuse, il y a eu des problèmes de son, le message est incomplet. Merci Evelyne, l'interprète reprend. Nous allons maintenant devoir clôturer la session. Je suis heureuse de passer la parole à ma collègue qui va faire des remarques de clôture. À vous, Eleonore. Eleonora. Oui, merci Jim. Nous arrivons à la conclusion de cette session virtuelle et je souhaite reconnaître le travail de tous nos présentateurs, leur bon travail aujourd'hui, ainsi que les présentations très intéressantes aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier notre équipe de la production ainsi que tous les présentateurs, tous les intervenants qui ont rendu cet événement possible. Et bien évidemment, j'aimerais remercier tout notre superbe modérateur Jim. J'aimerais aussi saisir cette occasion de répéter l'engagement du HLP AOR en faisant face aux questions relatives au HLP ainsi que la centralité des droits HLP pour arriver à des solutions durables pour des communautés qui sont affectées par le déplacement. Et j'aimerais aussi attirer votre attention à l'engagement avec des multiples parties prenantes. Vous avez l'UNHCR, HLP AOR et UN Habitat dans le cadre du Pacte mondial pour les réfugiés. Vous trouverez d'autres informations dans la boîte de discussion. S'il vous plaît, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est une bonne occasion pour nous tous de contribuer au travail sur le HLP et pour faire face à des défis HLP. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment avoir un engagement avec UNHCR, veuillez regarder notre site web ou nous contacter nos coordinateurs, y compris Jim. Bien, comme encore une fois, toute l'information est dans la boîte de discussion. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et où que vous soyez, et une très bonne continuation. Merci à tous et au revoir.